S'il vous plaît, écartez-vous, ouais, laissez-moi passer. Pardon. Ça va? Les jambes? Ouais. Bien. Toi, tu mets les mains en creux et tu le prends doucement sur la nuque. Quoi? Tu prends les pieds. Tire doucement vers le bas. D'accord? Doucement. À trois, on l'emporte doucement sur le banc. Qu'est-ce qu'il a, Toumine? Oh, rien du tout, juste un peu sonné. Allez, relève-toi. Il vaudrait mieux que tu fasses faire un rappel anti-tétanique demain, par précaution. Ben voilà, un menton tout neuf. Ces activités un peu viriles se payent de quelques nions, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre. Non, ne fais pas le bol d'or ce soir, hein, va te coucher. Et soyez écologiques, les gars. Ramassez le coton. Ouais. Allez, bonsoir. Tu relis un central avec tous tes boutons, là. Non, mais t'es pas un peu flic avec tous tes appareils, là, avec tout ton attirail. Eh, les gars, je parlerai bien encore avec vous quelques heures, mais j'ai un patient qui m'attend, alors faut que je grouille. Ouais, bon, bah, salut, hein, merci. Salut, merci. Léon, tu m'entends? Oui, Michel. La colique néphrétique, c'est bien rue Didot? Oui. J'y vais tout de suite. Léon, je passe chez moi et j'arrive ensuite avec Hélène. C'est quoi le plat du jour de chez Émile? Des rognons, pas terribles. Yeah. T'as pas vu les autres en arrivant? Oh non, ils sont toujours en retard. Tu ne te sens pas trop seul dans ton standard? Avec nous en dessous, hein? Hé, tu veux que je t'amène un café bien chaud dès que j'arrive? Ah oui, j'en ai bien besoin. Ok, Léon, à tout de suite. Salut, Michel. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, madame. Mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Ah, excusez-moi, cher confrère. Je suis pressée, je me sauve. N'attendez pas cette nuit, maman, je n'entrerai pas. Je suis de garde. Moi aussi. J'arrive, chérie. Mais qu'est-ce que c'est fabriqué? Je mourrais de froid, moi. C'est tout parfumé. Émile, prépare un café pour Léon, je le monte moi-même. Bonsoir, Michel. Il va
Salut, Etouville. Salut, toi. Philo, ta présence est bonne. Hélène, fais attention à lui, redoutable. Salut, Anne. Salut, Anne. Non, non, mais... Tu vas bien? Oui. Alors, mon frère. Salut, Michel. Salut. Ça va? Que je t'ajoute. Camarade. Comment vas-tu, ma vieille croûte? Ça va, je te remercie. Non, c'est pas deux pour moi, c'est quatre pour toi. Oui, Léon. Il est sympa. Tant pis, le voilà. Docteur Rossin, c'est pour toi. Docteur Rossin au parloir. Oh, tu bois de gauchiste. Non, non, non. C'est une fourmi, réac. Allô. Bonsoir, Léon. Oui. 142, oui. Dans le 15e, c'est ça? Bon. Le maman attend là-bas, ok. Bon, je te rappelle, hein. Salut. Gilo, c'est pour toi. Bonsoir. Quel âge? L'adresse. À tout à l'heure. Hélène, tu es la plus belle. Oh. Je vais te dire un truc, Michel, tu la mérites pas. Salut. Michel. Pour toi. Allez, va au boulot. Vois-moi. Oui. On y va. Salut les travailleurs, vous foulez pas le poignet. Médecin de nuit, je suis attendu chez monsieur et madame Meignier. Au premier étage, à droite. Ah, docteur André, je vous attendais plus vite, c'est vraiment urgent. J'ai mis 10 minutes, de quoi s'agit-il? Ma femme, une folle. Elle a encore essayé de se jeter par la fenêtre, de s'empoisonner. La vie est un calvaire avec elle. Je ne peux plus la quitter un instant. Et elle veut ma mort. Et pourtant, les fenêtres étaient fermées, j'avais vérifié. Où étiez-vous à ce moment-là? Dans sa pièce, avec elle. Elle n'était même pas encore couchée. Ma femme est devenue complètement folle. Est-ce la première fois qu'elle fait une tentative de suicide? Je ne compte plus ces tentatives. Même en vacances. Nous étions à la Baule. Elle voulait se noyer. Pendant des heures, elle marchait sur la plage. Elle voulait sauter par la fenêtre de l'hôtel la nuit. Depuis, je me méfie, je ne peux plus la quitter. Mais je ne peux pas toujours être là. J'ai mon travail. Je suis dans les assurances. Bien, bien, bien. Bien, allons la voir. Ah, quand je vous ferai signe, vous nous laisserez seuls. Comment cela, seul? Il n'en est pas question. Je veux entendre ce qu'elle vous dira. À l'hôpital, c'est la seule solution. Vous signez l'internement, que je puisse enfin dormir tranquille. On ne signe pas un internement sans parler au patient. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Emmenez-moi, monsieur, emmenez-moi, j'ai peur. Madame Meunier, rassurez-vous, je suis là. Je vais vous arranger ça. Vous voyez, ça recommence, la crise. C'est l'hystérie, je n'y ai pas discuté. Monsieur Meunier, laissez-nous, je vous rappellerai. Espérons-le. Calmez-vous, madame Meunier, calmez-vous. Calmez-vous, allons.
Voilà. 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 Vous êtes marié depuis longtemps? Bientôt 8. 8. Vous ne travaillez pas? Mais oui, je travaillais. J'étais coiffeuse avant l'accident. Moi, je voulais garder l'enfant. Lui n'en voulait pas. Il m'a forcée à avorter. Ça s'est très mal passé dans les suites. J'ai traîné une fièvre. Ils m'ont opéré. On m'a fait la totale. Maintenant, il veut des enfants. Il dit que je suis une fille qui traîne. Il m'enferme. Je suis de Port-Manec, moi, docteur, en Bretagne. J'aime le large. Des enfants, il en a déjà deux, des grands. Il ne les voit jamais. Mais moi, je n'ai plus le droit de sortir. Les fenêtres sont toujours fermées. Je suis fatiguée. Je voudrais dormir. Oui, oui, vous allez dormir. La piqûre va agir. Je n'ai rien fait. Je le connaissais à peine. Il avait l'air tellement gentil. Tout jeune comme vous. Un feu follet. De qui parlez-vous? De rien. De rien. S'il savait. Je suis sûre qu'il ne regarde par la serrure. Je suis sûre qu'il est jaloux de vous, docteur. Ne me laissez pas. Il me déteste. Il veut se débarrasser de moi. Il me tuera. Avez-vous l'intention de mourir tout à l'heure, madame? Vous avez absorbé des drogues. Quelles drogues? Je voulais simplement dormir. Ne plus le voir. Être seule. Sortir. Il me guette. On croit qu'il regarde la télé. Il me surveille. C'est votre chambre ici, vous y passez beaucoup de temps? Oui. Depuis qu'il m'a chassé de notre chambre. C'était pour l'enfant ici. Il m'enferme et il voudrait que je parte. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il me veut? Allons, madame. Reposez-vous. Ne me laissez pas, docteur. Promettez-moi de revenir. Promettez-moi. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais lui parler. Je ne vous laisserai pas. Allez, dormez. Dormez. C'est fini. Oh, écoutez, monsieur Meynier, votre femme se repose, elle est calmée, la piqûre la fera dormir quelque temps. Vous ne comprenez donc pas qu'elle est folle? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous vous êtes laissé attendrir. Il faut l'interner ici, je ne réponds plus de rien. Votre femme n'avait peut-être pas l'intention de se suicider. Elle a peut-être fait semblant. Quoi, semblant? Ben, vous étiez là, peut-être. C'est moi qui l'ai empêché de bouffer ses pastilles. On n'interne pas quelqu'un comme ça. À l'hôpital psychiatrique, on sait quand on y rentre, mais alors on ne sait jamais, jamais quand on en sort. Mais vous ne comprenez rien, docteur. Elle va encore faire des bêtises. On ne peut pas la laisser. Dès que je vous ai vu, j'ai senti que vous ne comprendriez rien à ma femme. Elle ne sert à rien ici. Elle vous a joué la comédie et vous êtes tombé dans le panneau. Il faut la voir, courir après les hommes. C'est qu'elle ne risque plus rien, la garce, elle le sait. Mais comment vous raconter tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à ce qui se passe entre un homme et une femme? Vous n'écoutez que les femmes? Il ne s'agit pas de ça, votre femme souffre et vous aussi, d'ailleurs. Combien je vous dois, docteur? Tenez. Payez-vous. J'ai fait une lettre à votre médecin de famille, c'est la coutume. Une lettre? Pas de lettre. D'ailleurs, nous n'avons pas de médecin de famille. Pas de famille, plus de famille. Bon, regardez, ça va aller, bonsoir. Voici vos papiers de sécurité sociale, votre monnaie.
Ne faites pas interner votre femme, monsieur. Vous le regretteriez. La petite dame là-haut, c'est une amie. Son mari là-bas, il veut la tuer. On ne peut pas laisser faire ça. Je peux compter sur vous. Que voulez-vous que je fasse de plus, madame? Et d'abord, qui sont ces gens? Entrez, je vais vous expliquer. Je vais vous faire un café. Lui, il a été marié une première fois. Je la connaissais bien. Ça fait 15 ans que je tiens cette sacrée loge. Au début avec mon mari, mais il est mort maintenant, le pauvre. Ils habitaient ici, là, au-dessus, le même appartement. Ils ont eu deux garçons, qui sont grands maintenant. Mais sa femme, elle est partie, parce qu'il était trop jeune. Et surtout pour eux. Alors, ils ont divorcé, et les garçons, ils viennent plus le voir. Ils sont à Belfort, maintenant. Au début, avec Arlette, mon amie, ils s'aimaient bien, tous les deux. On a cru que les histoires, c'était fini. Elle, elle travaillait encore à son salon de coiffure. Et M. Meunier, il venait la chercher. Et puis, il est venu la chercher avant l'heure, pour la surveiller. Et ensuite, il n'a plus voulu qu'elle travaille. Alors elle, Arlette, elle a commencé à passer ses journées derrière ses fenêtres. Alors, nous deux, on se parlait. Vous en voulez une? Non, non, merci. Ensuite, elle est tombée enceinte. Mais lui, il n'aime pas les enfants. Alors il l'a forcée à le jeter, cet enfant. Il l'a forcée à ne pas le garder. Même à l'hôpital, il venait la crier. Et puis de plus en plus. Puis pour finir, il l'enferme chez elle. C'est pas vrai qu'elle veut se tuer Arlette. Elle veut sortir. Et lui, il est toujours à ses jupes. Il faut même que je lui fasse les commissions maintenant, parce qu'il veut pas qu'elle voie des hommes dans la rue. Vous pensez qu'il a aucune raison d'être jaloux, M. Meunier? Mais qui c'est ce garçon? C'est un petit gars. Il la voyait toujours à ses fenêtres. Bon, alors des fois, il lui rendait visite. Mais c'est une histoire de rien. Ça l'aidait, elle, Arlette, à avoir passé le temps. En tout cas, c'est pas l'avis du mari. Elle lui pense que c'est sérieux. Bien. Bien, merci pour le café. Vous en voulez une autre tasse? Ah non, non, merci, non. Il n'est pas trop amer? Amer? Je mets de la chicorée. De la chicorée. Ils attendent, Hélène. Oui, j'entends, je me dépêche. Je vous ai prévenu, ça urge. Merci. Respirez, madame. La bouche ouverte. Oui, Léon, c'est Michel. Ça tombe bien. Très bien. Je te fais le plein de super. Allez, le plein de super par la rade des neiges. Et les copains, qui est de garde? Tu as vu Anne? Comment va-t-elle? Bien, je crois. T'as rien remarqué? Non, qu'est-ce qu'il fallait remarquer? Quelque chose qui l'inquiète ou... Elle est préoccupée. Émile, encore une.
Mille. La double express, mais alors, serré. Toi, je me demande comment tu vas bondir. Fais bien un truc, je tiens pas. Oh, qu'est-ce que je suis crevé. Je serais mieux dans mon lit. Anne, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas de garde? J'attends Jean-François, il m'a dit qu'il repasserait. La nuit, on prend des habitudes. Ouais, même des fois, on se couche plus. Mon rêve. Alors, il n'y a pas de danger que ça m'arrive. Il y a des moments où j'ai envie de changer. Un cabinet tout neuf. Le docteur Michel Lardieu ne reçoit que sur rendez-vous. Visite à domicile, uniquement de 2 à 4 heures, l'après-midi. Médecin de beau quartier. Bah, pourquoi pas, tant qu'à faire. Arrête un peu. En tout cas, je te préviens, si ça doit arriver un jour, je préfère pas le savoir. Moi, je te comprends, Michel. J'ai été garçon au terminus à Bourges. Hein? Un jour, j'en ai eu marre, je me suis mis à mon compte. Et maintenant, je suis à mon service. Léon. Oui, là, je te passe. Ah, dis, important. Pour demain, hein? 15, 18, 5, 12, 24. Oui, à Vincennes. Oh non, 15 balles, ça suffira. Oui, Léon, je t'écoute. Oh non, je suis complètement à côté de mes pompes. Quoi? Mais qui a téléphoné? La concierge ou Madame Meignier? Merde. Bon, ben, j'arrive. C'est grave? Compliqué. Tu viens? Non, je vais aller me coucher. Salut. Salut, Michel. Docteur, pardon de vous avoir dérangé. Je payerai la visite. C'est pas le problème. Que s'est-il passé chez les Meignier? Mais entrez, je vous ai préparé un café. Non, merci. Allons plutôt là, on sera tranquille. François. Un café, sans chicorée. Ah, mais nous, on met jamais de chicorée dans nos express, hein. Ah bon? Ouais. Bon, alors, vous avez vu arriver la police, Navant. Que s'est-il passé? Ben, pendant un temps, il n'y a pas eu de bruit après votre départ, docteur. Et puis le Meignier, il s'est mis à remuer les meubles. J'entendais marcher. Il y a eu un de ces remue-ménages, un carreau sur la rue de cassé et tout. Oui, j'ai entendu ce bruit vaguement, avant l'arrivée du car. Et puis les agents sont arrivés. Ils m'ont demandé l'étage. Moi, là-haut, j'ai pas entendu ce qu'ils se disaient. Ensuite, ils sont redescendus avec M. Meignier. Il tenait Arlette. Elle avait l'air complètement abasourdie. Elle parlait pas. Elle m'a juste dit au passage, appelle le petit docteur. Moi, je vous ai appelé. Vous l'ont-ils amené au commissariat? Je sais pas. Ah ben sûrement. Ce sont les flics du commissariat de Saint-Méry, nous, on les connaît bien. C'est pas la première fois qu'ils viennent. N'est-ce pas, Gérard? Que signifient ces allusions? Faut que je connaisse la vérité. Alors, elle est folle ou quoi, cette femme? Elle est pas plus folle que vous ou moi. Elle est malheureuse. C'est tout. Moi, c'est pas mon affaire. Ah, si, Gérard, c'est ton affaire. Allez, raconte au docteur, y a pas de honte. Même que si ça avait été moi, le Meignier, je lui faisais une tête. Gérard, il a été gentil. Dis-le comment ça s'est passé. Elle était à sa fenêtre. Je la voyais souvent. Elle poussait son rideau. Elle regardait la rue. Elle paraissait perdue, triste, une belle au bois dormant. De temps en temps, au début, elle sortait seule. Alors, je lui ai parlé quelques fois dans la rue. Des petits riens. Un jour, je l'ai accompagnée au supermarché, rue Montmartre. J'ai poussé son chariot, rien de plus. On se parlait très peu. À travers la rue, on s'apercevait plusieurs fois par jour. Ça a duré des mois comme ça, sans que rien ne se passe. Des regards. Et puis un jour, je suis monté chez elle. J'ai
sonné. Puis elle m'a ouvert. Puis... Puis là, son mari a surgi, mais alors comme une bête. Un vrai dingue. Alors je l'ai repoussé. Il s'est mis à hurler, j'ai insisté. Les flics sont venus. Et même que ce soir, sûrement. Puis voilà. Elle m'a plus jamais donné de signe. Elle savait que son mari nous surprendrait. Et elle m'a fait monter exprès. La garce. Voilà. L'histoire est terminée. Fini la belle au bois dormant. Très belle histoire, monsieur. Je ne peux quand même pas la laisser interner. Combien je vous dois ? Rien, docteur, rien, c'est ma tournée. Allô, Léon, c'est Michel. Alors ? Bien, non, très compliqué, vraiment très compliqué. Dis-moi, Jean-François est près de toi ? Oui. Très bien. Alors tu lui dis de se grouiller, de me rejoindre au commissariat du 2e arrondissement, Saint-Méry. C'est ça, non, je t'expliquerai. Messieurs, madame, messieurs, docteur Lardieu, médecin de nuit. Voici mes papiers. Police secours, venue de votre commissariat, est intervenue auprès d'une de mes malades, madame Meignier, rue du Croissant. J'aimerais savoir où vos hommes ont amené ma malade. Je vous préviens, brigadier, je suis pressé. Et ça, je ne peux pas vous le dire. Effectivement, nous avons reçu un appel pour la rue du Croissant. Vous aurez sans doute reçu des nouvelles de cette expédition. On ne perd pas comme ça un quart police secours dans Paris. Ou alors ça saurait. Je vous préviens, brigadier, j'attends un collègue. Nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Bravo, docteur. Cherchez votre quart de flic. Il sentira le gros rouge. C'est normal, nous, on s'intéresse pas au gros rouge. On fait pas souffler les flics dans les ballons. Ils s'intéressent aux hachiches, par contre. 3 joints pour 2, ça les intéresse. Eh, dis donc, tu peux pas fermer ta gueule, le chevelu. On s'entend plus jouer. Ah, docteur Gillot. Alors, brigadier, où amenez-vous les fous, ou soi-disant-elles ? Monsieur l'agent va te le dire. Il les emmène au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil. Ou à l'infirmerie spéciale du dépôt, selon les cas. On les emmène à Sainte-Geneviève. Et où sont à Sainte-Geneviève ? La CPOA, ça vous dit quelque chose ? Ah oui. Ah oui, c'est là. Merci. Bien, Michel. Bonne continuation. Messieurs. Monsieur Meignier, on a de la suite dans les idées. Eh bien, moi aussi. Je vous présente le docteur Gillot, spécialiste des cas litigieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Voir votre femme. Vous attendez. Médecin de nuit. Nous voulons voir l'interne de garde. Ne bougez pas, je vais voir s'il veut vous parler. Pas un moulin ici. Restez là. Vous n'avez pas le droit à l'entrée. Voilà, tu sais tout. Mais bien sûr, tu es seul juge. Nous pouvons peut-être l'avoir ensemble. Bien sûr, si t'es malade, ta décision t'appartient. On voulait juste te parler du problème. Je sais que normalement, tu le gardes jusqu'à demain matin. Je le connais, le problème. Des cas comme le vôtre, il y en a 20 par nuit. 22 heures. Malaise classique sur la voie publique, mais c'est un nord-africain. Bien qu'il soit un diabétique connu et traité à Cochin, il attend ici avec le diagnostic de prédélirium très mince.
22h45. Tentative de suicide chez une femme de 27 ans. Isolée et transplantée. Que faire? Hôpital psychiatrique. 23h. Une Martiniquaise de 29 ans arrivée il y a 4 jours de son pays, sans rien et sans maison. Elle arrive ici en parfaite santé, avec un certificat dangereuse pour elle-même et pour autrui. 23h30. Un danseur noir américain victime du racisme dans un bar où il buvait tranquillement un coup. Avant, on l'aurait coffré une nuit. Maintenant, c'est l'asile et les neuroleptiques. C'est ainsi qu'on garde sa ville propre. Et il y en a 20 comme ça. L'asile, mon vieux, c'est aussi le dépotoir. Bonsoir, Madame Meynier. Je vous présente mon ami, le docteur Gillot. Nous sommes venus nous occuper de vous. Mais que s'est-il passé? Mais je ne sais pas, docteur. Je dormais après la piqûre que vous m'aviez faite. Lorsque je me suis réveillée, la chambre était sans dessus-dessous. Les agents sont arrivés. Il a dit que j'avais voulu me suicider, que j'avais eu une crise violente. Et puis, ils m'ont emmenée ici. Qu'est-ce que vous voulez faire, madame? Vous ne devez pas rester ici, dans un hôpital psychiatrique. On va vous emmener. Vous pouvez vous réfugier quelque part. Parlez, madame. Vous n'avez pas de famille. Vous voulez retourner chez votre mari? Non. J'ai une sœur. Elle habite dans le 12e arrondissement. Je ne peux pas aller chez elle à cette heure-là. Je pourrais y aller demain matin. Moi, je ne peux pas la laisser ici. Si je l'admets, elle entre dans le cycle. Diagnostic, observation, etc. Bien. Envoyez toute l'armada et le mari. Vous prenez avec nous. Chez moi. Êtes-vous d'accord, madame? Oui. Habillez-vous. Bravo, mon vieux Chotzer. Mais si tu veux tous les prendre en charge, t'auras du travail. Vous n'avez rien compris. Ma femme est très malade. Elle va se tuer, elle mourra. Toute sa famille est déjà contre moi. Et vous, salaud, vous serez responsable. Mais attention, vous ne perdez rien pour attendre. La nuit n'est pas finie avec moi. Allez voir. Salaud, fumier. J'appelle Léon. T'es sûr de toi, Michel? Tu joues pas un peu trop les euros? Mais tu connais le circuit, mon pote. Si elle était admise, elle risquait d'en sortir dans 5 ans complètement dingue. Allô, Léon, c'est Michel. Oui. Ça y est, on l'a sorti de l'auberge, ma malade. C'est formidable. Dis, si Anne n'est plus au 421, demande à Hélène de me rejoindre chez moi. Je l'attends. Je t'adore. Bon courage, Michel. Et vous faites combien de gardes? Ça rapporte? Oh, ça dépend des nuits. 500, 1000. Ça fait combien, ça? Oh, bah, une nuit comme celle-là, pas grand-chose. Vous venez prendre un café en salle de garde? Non, pas pour moi. J'ai assez perdu de temps et d'argent avec ta fada. Allez, salut. Au revoir. Merci. Merci, collègue. Entrez, madame Meynier. Je vous en prie. Vous verrez, vous serez mieux ici qu'à Sainte-Geneviève. Voulez-vous enlever votre manteau? Non, non, je vous remercie. Je préfère le garder encore un peu. Fiez-vous. Tout cela était si brusque. Mon mari qui est tout seul. Monte, Hélène. La porte est ouverte. Madame Meynier, je vous présente le docteur Hoffmann qui va rester avec vous jusqu'au moment où vous irez voir votre sœur. Bien. Eh bien, au revoir, madame Meynier. Tenez-moi au courant, ça me fera plaisir. Écrivez-moi un mot. Vous verrez, vous en sortirez de ce cauchemar. Merci de m'avoir cru, docteur. Merci beaucoup. Comment vous dire? Je n'étais pas sortie seule depuis si longtemps. Allons, madame Meynier, détendez-vous. Enlevez votre manteau.
Nous avons quelques instants à passer ensemble. J'ai quelque chose à te dire. Mais c'est pour une urgence. Une urgence? Maintenant, je comprends pourquoi Léon m'a demandé de venir ici. Écoute-moi, Michel. Je suis un médecin comme toi, pas une garde malade. Je n'assure pas un service de nuit dans une d'urgence, la nuit dans une ville comme Paris. Vous me retrouvez au pied d'un lit d'une dingue. Un sûr jeune homme qui lui va jouer les parachutistes à ma place. Allons, merde. Allons, Hélène. Madame Meunier sentira plus en sécurité avec toi. Elle a besoin de parler avec une femme. Non, je me charge de tes visites. Demain, tu l'envoies chez sa sœur, tu appelles un taxi, puis voilà. Tu peux pas la surveiller, toi, Madame Meunier, elle te connaît maintenant. Je peux pas passer la nuit ici, non, mais tu te rends pas compte des soupçons. Oh, je sais, je sais. Je peux pas faire autrement. Te laisser dans ce rôle stupide de garde-malade ou l'envoyer chez son mari parano ou chez les dingues. Attends, tu joues les cow-boys et moi les vachères, c'est sympathique. Oh, je t'en prie, Michel. Bon, je vais jouer les Pénélope. Parce que je suppose qu'elle va parler, ta dame. Oh, du vrai Maigret. Relation sadomasochiste. Ciste, typique. 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 Tu reviens quand? Le plus tôt possible. Et non, c'est pas de la tarte. Hein. Maintenant, j'ai deux secteurs à me farcir. Si j'ai choisi l'hospitalisation à domicile, c'est pour mourir chez moi. Tais-toi, maman. Arrête, Olivier. Je le sais bien, docteur, que j'ai un cancer à l'estomac. Reposez-vous, madame. La piqûre va bientôt faire son effet et vous vous sentirez mieux. Avec le temps, les calmants, ils agissent plus beaucoup. Enfin, s'habitue à vivre avec la douleur. Tais-toi, maman. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas retourner à l'hôpital, madame? Plus d'hôpital. Lui, il ne se gênait pas. Au bureau, en vacances. Oui. Même en vacances, il me trompait. Notez, cela m'était complètement égal. Parce que l'amour... Enfin, avec lui. Je ne me suis jamais entendue sur ce terrain-là. Avec Gérard, c'était différent. C'est avec lui qu'il m'a surpris dans l'appartement. Gérard montait parfois quand j'étais seule. Puisqu'il ne me laissait pas sortir. Le mariage, les robes, les cadeaux, la famille. Tout ça, c'est très intéressant. Après, on s'aperçoit très vite qu'au bout de la journée, on n'a pas échangé trois paroles. Heureusement, et à la télé. Si on n'a pas un enfant pour se voir vivre, on ne devrait pas avoir à regarder le même homme tous les jours. Moi, par sa faute, j'aurais pas d'enfant. Marqué, c'est peut-être mieux comme ça. Mieux? Oui. Je ne l'aime pas assez pour faire un enfant avec lui.
Docteur Gillot, médecin de nuit. Ah, docteur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Pas du tout. Passez, je vous prie. Oui, je vous ai demandé de venir parce que je ne pouvais pas dormir. Je me tournais, me retournais. Impossible. Asseyez-vous. Merci. Je voudrais être calme. J'ai dû me lever. Mais une insomnie n'est pas une urgence gravissime. Ah, vous savez, je crois que j'ai des ennuis avec ma tension. J'ai des palpitations, mon cœur en bas. Votre manche. Alors, tout à l'heure, c'était atroce. Mon cœur sautait, mais alors sautait. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 50 ans à la fin de l'année. Et quelle est votre profession? Je suis professeur de droit à Paris. Où? Paris 12. Mais la rentrée n'est pas encore faite. Demain. Ah, demain. Demain, dans l'amphi, ils seront près de 2000 à m'attendre. Chaque année au premier cours, toujours là. L'année peut être foutue et moi aussi. Ciré et chahut à secours. Vous comprenez? Oui, oui, très bien. Et lors des avions, des tomates. Le premier jour, toujours là. Chaque année, c'est la même chose. Ne pas travailler, c'est ça le piège. Il était jaloux des gens que je rencontrais. Forcément, dans la coiffure, il y a du passage. Après mon avortement et surtout après l'opération, il m'a empêché de reprendre. Maintenant, je ne parle plus qu'avec la concierge. C'est une amie. Elle monte me voir. Elle me fait les courses. D'ailleurs, je n'aime plus le monde. Quand il y a trop de gens dans une pièce, je me sens mal. Je vous attendais tellement. Il me fait au moins un 41. Entrez. Excusez le désordre. C'est normal, la fièvre, madame. Elle me racontait tout ça. Oh, mais il est mignon, ce bébé. Ne vous inquiétez pas, madame. Les enfants ont toujours beaucoup de température. Quel âge a-t-il? 7 mois. Quel est son prénom? Xavier. Bonjour, Xavier. Bonjour, monsieur Xavier. Alors, madame? Il a vomi son biberon du soir. Et puis, je l'ai trouvé très chaud. Alors, j'ai voulu lui donner une aspirine, mais j'en avais plus. Avez-vous pris sa température à ce moment-là? Non, mais il n'était pas comme maintenant. Touché docteur, son petit front, ses mains, il est brûlant. Pourquoi n'avez-vous pas appelé votre médecin habituel à ce moment-là? Je pensais que ça allait passer. Vous avez une baignoire? Oui. Mais vous allez le baigner, docteur? Vous êtes sûr? Vous voyez comme il se détend dans l'eau. Sa température va baisser et il se sentira mieux. Après, il ne faudra pas trop le couvrir. Vous savez, docteur, c'est mon premier bébé. Alors, des fois, je panique. Vous habitez seule ici? Non, je suis mariée. Mais je suis souvent seule. Mon mari est voyageur de commerce et il n'est pas souvent là. Alors, c'est pire que d'être restée fille. Pourtant, c'est pas le mauvais homme, non?
trouvé ça. Quel métier faites-vous? Je travaille au supermarché en face. C'est bien commode parce que quand le petit est chez la nourrice, les collègues peuvent me remplacer et moi je peux venir l'embrasser. Prenez-le sur vos genoux, madame. Ce n'est rien, madame. Une grosse angine. D'ici 3 jours, ça sera terminé. 3 jours? Et comment faire, docteur? La nourrice ne veut pas le prendre avec la fièvre. J'ai personne, moi personne. Mon mari est absent pour la semaine. Il faut m'arrêter, docteur. Bien. Je vous fais un arrêt de travail de 4 jours. Bon, ça c'est l'ordonnance du petit Xavier. Sirop antibiotique, 4 cuillères/mesures par jour, c'est le plus important. Voyez demain votre médecin habituel. J'ai fait un mot pour lui. Combien je vous dois, docteur? 115 francs. Bon. Excusez-moi, on m'appelle. Tenez. Merci. Vous reviendrez, docteur? Vous savez, on vient rarement. Je t'écoute. Écoute, Michel, je crois que cette histoire a assez duré. La concierge me demande de te signaler que ta malade, Madame Mini, est rentrée chez elle et que de nouveau ça hurle. Enfin là, elle ne te demande pas précisément de venir, elle dit simplement qu'il faut que tu saches. Voilà. Décidément, il ne faut pas se mêler des affaires des grandes personnes. Salut. C'est vous, puis docteur. Et sans être convié cette fois. Vous n'avez rien à faire ici. Ce n'est pas vous qui m'intéressez, monsieur. Mais ma malade, je veux lui parler. Elle m'a demandé de l'aider. Et pour qui vous le prenez-vous? Vous n'êtes rien chargé des affaires de mon ménage? Contentez-vous de soigner les boutons, jeune homme. Vous nous avez assez emmerdés comme ça. Maintenant, partez ou j'appelle la police, qui vous connaît déjà. Madame Meignier, expliquez-moi. Expliquez quoi, docteur? Il n'y a rien à dire. Je suis revenu, c'est tout. Il fallait que je revienne. Je vous remercie, vous avez été très gentil. Remercie aussi votre ami. Je lui ai faussé compagnie. Ce n'est pas de sa faute, il voulait me raccompagner. Je me suis trompée, docteur. C'est ici ma place.
Salut le raton. Tu veux que je leur cours après, Ali? Laisse, Michel, laisse. Sont ronds comme une cantine. Ça m'arrive deux fois par nuit. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un peu de pétrole? C'est le sort du monde. La vie ou la mort pour des millions de gens. Allez, salaud. Remarque, si t'avais vu ta tronche quand ils sont partis sans payer. Ali, si tu savais ce qui m'est arrivé cette nuit. Figure-toi qu'un bonhomme me téléphone pour faire interner sa femme. Michel, Michel, tu m'entends? Michel? Michel, tu m'entends? Michel? Oui, je t'écoute. 17 rue des Pyrénées. Bien, j'y vais. Mais c'est la dernière, hein, après Dodo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Léon. Bonsoir, Michel. Ne sois pas triste. Ali, tiens, sers-moi de l'essence. Dépêche-toi, faut que je file. Oui. Chercher toute la nuit. Ça va? Oui, ça va. Où tu vas comme ça? À Birakem. Allez, mec, à Birakem, on l'accompagne. Ooh.